On est de retour. Dans le fond, il a fallu que je recommence un nouveau bonhomme. Parce que. Il a fallu que je change les modifications. Et puis. Ça fonctionnait plus, fait qu'il a fallu que je recommence. Mais là, on est rendu à peu près où est-ce qu'on était avec l'autre. Fait que c'est l'autre passe-pied. Fait qu'on va être bon pour continuer. Ouais, on est rendu avec beaucoup de religieux depuis qu'on a recruté la mère Gisèle, celle qui soignait les patients. En fait, elle soignait pas mal n'importe qui là, dans l'autre ville, dans les Hinterlands. Puis là, on est rendu avec beaucoup de religieux. Une bonne chose parce qu'on avait besoin du soutien. It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? I was born in Ostwick, and that's where most of my family is. The Trevelyans, is it not? A large clan with a rather clever coat of arms. Tell me. Do you consider the Free March as your home? Are you eager to go back? Wherever I am is home enough for me. That's how I feel now, after years of tending to business for the Divine. Can you tell me more about the Seekers? The Seekers of Truth were born from the original Inquisition long ago, when it united with the Chantry. Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible, above reproach. How seldom does reality match the ideal? But what are Seekers exactly? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use Lyrium, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the Divine. And not even her, truthfully. So nobody ever watched over the Seekers? It was the Divine's duty. But she could only do so much when the truth was hidden from her. The Templars have always feared us. When a Seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot. That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist. If someone insists it does, they are the blind ones. How does someone become a Seeker? Most Seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. Is the vigil some kind of initiation? It is the rite every Seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions.
including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words. Your mind was probably playing tricks on you by then. Yet the gifts are real. I know no more than that. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified, and they led the Templars into a war of righteousness. You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes... What happened couldn't be avoided. It started long ago. We weren't helpless. We had the power to act and chose not to. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. You mentioned that Seekers have different abilities than Templars. Entirely. A Templar's abilities come from Lyrium and are designed to hunt mages. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful, considering our role. Seekers can gain other gifts, but that depends on the individual. What kind of gifts do you have? I can set the Lyrium within a person's blood aflame. Both mages and Templars bend before my will. Some Seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a Seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. I have no more questions. Fait qu'elle peut enflammer le sang. Your kind killed the Most Holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mage! Enough! Knight Commander! That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean, exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Les mages puis les templiers sont tout le temps en train d'essayer de se pogner. C'est pas nouveau. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave. The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not.
If the proper authority hadn't completely failed, the conclave wouldn't have been needed. So you suggest I blame the judge and exalt a murderer? What of justice? That won't help restore order in the here and now. Order will never be restored so long as this rebellion is allowed to fester. Il dit qu'on est des meurtriers, mais j'ai pas assassiné personne encore. Pour l'instant. How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. The mages and Templars are fighting, even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes. Exactly why all this should be left to a new divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Remind me why you're allowing the Chancellor to stay. Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. Don't let anyone riot while we're gone. The walls will be standing when you return, I hope. On est supposé aller à Val Royeaux pour plaider notre cause auprès de la religion, genre les religieux, les catholiques, etc. C'est un peu comme Val Royeaux, c'est un peu comme l'Italie, genre, avec les catholiques. C'est la capitale de cette religion-là, genre. C'est un peu comme le Vatican. You built for them the golden city, the center of all creation. And for a time you dwelled among them, watched over them. As a gardener watching earth... Apothecary Adon will have more pulses for the injured as soon as possible, revered mother. Thank you, child. You are doing the Miko's work. I see it. Have you been able to save many people? Blessed are the righteous. More than if we had not tried. The lights in the shadow. In their blood the Maker's will is... Greetings, Herald of Andraste. How fares your quest to seal the breach? Not well. I'm doing everything within my power. A task such as closing the breach is a heavy burden. I hope you do not carry it alone. We remember Andraste, but Andraste did not carry the Chant of Light alone. She had generals, advisors, even her husband for a time. Do everything within your power, but remember those who would help you. Andraste, là, qui mentionne tout le temps, c'est leur Jésus. Là. Fait qu'à chaque fois qu'ils disent Andraste, c'est un peu comme un, l'enfant de Dieu, là. Un peu comme leur divinité. Là. Et ça, I obey the will of Andraste, de Jésus. Là. Fait qu'ils me prennent pour l'envoyé de Jésus. I appreciate your insight, Mother Giselle. Take it for whatever it is worth. You walk a difficult path, and there is little enough I can do to aid you. In any case, I pray this Inquisition proves less brutal than its predecessor. Is there anything I can do to help you or your people? My healers would benefit from more supplies. We have run short of even common goods with so many wounded. If you could deliver this list and the items on it to Quartermaster Thren, she could get us what we need. It may not seem like much, but it would enable my healers to save many lives. Hmm.
j'aille porter ça au Quartermaster. Qui est dans le fond le magasinier de l'Inquisition. I don't know if Apothecary Don can get you that many healing drops. The Smiths can use them to fit our troops with better gear. Might not affect you much, but our recruits will have better chances next time some monster flies out of a rift. If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials and we'll jot down what you found. Farewell. Make a go with you. Matériaux pour la fin. Clac. C'est réglé. That'll help. I will keep the peace while you and the others appeal to the Chantry in Val Royeau. Better ready yourself for the blame you will be rightly assigned. When there was no sky maker, you were the sky. When there was no earth, you were the earth. When there was nothing, you were everything. Yep. Hmm. On a un donjon. Prison, disons, quelque chose dans le genre. Ow. C'est ça, dans le fond, The Divine, c'est le pape, puis le Chantry, c'est la religion, genre. Ça a l'air qu'on est capable de crocheter des serrures facilement. Mettons que c'est plus long que ça dans la vraie vie. Ok, c'est genre l'histoire de l'Andraste, c'est genre l'histoire de Jésus. Là. Je me rappelle plus pourquoi Andraste est genre devenu populaire, mais j'imagine que ça va être écrit là. Dans le fond, est né une esclave des Tevinter. Ça, c'est une autre nation. Eux autres, ils font toujours de l'esclavage aujourd'hui. C'est une société, dans le fond, menée par les mages. Tu sais, comme nous, dans le coin où ce qu'on vit, les mages sont
réprouvés, sont mis dans des tours, genre comme Hogwarts, puis sont gardés là par des Templiers qui les empêchent de sortir, genre, parce qu'ils sont dangereux. Mais à Teventer, c'est l'inverse, c'est genre les mages qui sont tout puissants. Puis plus que t'es un mage puissant, plus que t'as du statut social. Fait qu'Andraste est né comme esclave là-bas. Ok, moi ouais, c'est vrai. Dieu y parle. Un peu comme Jeanne d'Arc, là, genre. C'est un peu ça, je te dirais. Andraste est plus comparable à Jeanne d'Arc que à Jésus, mettons. Dans le sens où elle s'est montée une armée et elle a conquis des shit, là. Plutôt que de juste prêcher la bonne parole. C'est ça, Jeanne d'Arc, elle entendait la parole de Dieu. Puis elle essayait de faire selon ce qu'il disait. C'est un peu comme si elle avait, si on avait refait une religion, mais autour de Jeanne d'Arc, au lieu d'être autour de Jesus. Ouais, puis c'est ça, à Teventer, dans le fond, eux autres, vu que c'est mené par les mages, puis qu'ils respectent pas Andraste et compagnie, eux autres, dans le fond, c'est des païens, là, tu sais. Comment je dirais? Ils worship des false idols, puis des statues, puis le dieu du vent, puis le dieu des montagnes, puis le dieu de l'or, puis le dieu de la prochaine moisson, puis ces niaiseries-là. Bah, c'est une niaiserie. Ok, Andraste, they would never forsake her people. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Andraste a prié à Dieu de revenir pour sauver ses enfants de la cruauté de l'Imperium. Puis c'est écrit que Dieu a accepté. Okay. Fait qu'à partir de là, Andraste s'est monté une armée pour aller crisser une volée au mage, au seigneur mage de l'Imperium Teventer. Ok, puis elle avait une épée de feu et d'eau qui représentait, qui est un cadeau de Dieu dans le fond, puis avec ça, elle torchait tout le monde. Ok, non, c'est écrit que son épée était faite de feu, de flot, de famine et de tremblement de terre. Fait que... de shit plus 12. Everywhere they went, Andraste sang, ouais. Et il torchait tout le monde au fur et à mesure qu'il avançait, bien évidemment. Puis après, j'ai la bonne parole en même temps. Puis là, son armée grossissait parce qu'elle avait de plus en plus de fidèles qui venaient pour prier, puis qui... se convertissait à sa religion, dans le fond. Ok, ouais. Puis Andraste, tout ce temps-là, elle était mariée avec un pseudo-noble. Puis là, ben, son mari, en voyant que tout le monde aimait sa femme plus que lui, s'est mis à être jaloux un peu. Ok, fait que son mari a décidé de la trahir puis de la donner au Teventer à la dernière seconde. En échange de quoi, l'empereur de Teventer, qui s'est fait appeler un archon, il donnerait toutes les terres qu'il avait conquis en dessous au sud. Fait qu'il a trahi sa femme pour de la richesse. Yay!
Elle s'est fait attacher un gros poteau, là, comme ils font avec les sorcières. Wow, puis ils l'ont brûlée vivante pendant que son mari sonnait la retraite pour leur armée. Parce qu'il était de mèche, bien évidemment. C'est écrit que l'empereur Tevinter a pris pitié d'elle en la regardant brûler. Puis il l'a juste tab pour mettre fin à ses souffrances. Parce qu'il a pris pitié d'elle, dans le fond. C'est écrit que Dieu a pleuré pour son enfant. Oh, puis il a maudit les hommes pour leur trahison. Puis qui s'est retiré de la création, encore une fois. Puis qu'il a pris Andraste avec lui, puis qu'il est juste reparti au paradis, puis qu'il a dit « Fuck these people ». Puis là, ils disent que Andraste est aux côtés de Dieu en haut, dans la création. C'est genre leur Bible. Ils appellent ça « The Song » ou « The Chant of Andraste ». Ah là, je les skip, là, mais c'était écrit genre « The Black City ». Ok, ça, c'est des trucs genre fucking intense. Là, ça, c'est sur les apôtres, genre, qui ont développé la religion. Puis le chant, parce que le chant d'Andraste, c'est genre un peu comme leur Bible. C'était écrit « La Black City ». Dans le fond, la Black City, c'était la Golden City, la cité en or. Les mystérieuses cités d'or. Mais c'était une cité en or que les Tevinter croyaient qui était genre la maison de Dieu. Puis, tu sais, les mages, dans le fond, peuvent aller dans le Fate, qui est comme l'au-delà, un peu. Puis les Tevinter mages, les mages de l'Empire, eux autres pensaient que si tu restais dans le Fate assez longtemps, explorer, il finirait par trouver la cité de Dieu, genre la cité, la Golden City. Le hic, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui l'ont essayé. Les mages les plus puissants, mettons, de l'Empire, ont fini par réussir à rester dans le Fade assez longtemps pour découvrir la cité d'or. Sauf que une fois qu'ils l'ont découvert, ils sont entrés à l'intérieur, puis ils ont essayé de s'asseoir sur le trône. Puis la cité est devenue noire. Et puis je pense qu'il y était 5 mages. Les 5 mages de l'Empire se sont fait prendre le contrôle. Dans le fond, ils sont devenus comme des abominations extrêmes. Parce qu'ils ont été fautifs. Dans le fond, ils se sont pris pour Dieu. Puis la cité est devenue noire. Puis c'était leur punition. Puis c'est là que le Darkspawn a commencé, dans le fond. Quand on parle de Darkspawn dans ce jeu-là, c'est des espèces de... Comment je dirais ça? C'est des créatures corrompues, dans le fond. Les Darkspawn naissent pas naturellement, dans le fond. C'est de la corruption. Dans le sang, ils ont du sang noir. Et puis, dans le fond, ils se font transformer comme ça au fur et à mesure. Ils vivent sous terre, dans les tunnels. Puis ils remontent à la surface une fois par 40 ans, mettons. 30 ans, 40 ans. Puis ils essayent d'envahir le monde, puis de tout détruire sur leur passage. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça a starté de là. C'est que les 5 premiers mages de l'Imperium qui ont rendu la cité noire sont devenus les 5 premiers Darkspawn. Le problème des Darkspawn, c'est que quand ils finissent par mettre la main sur un dragon, ben oui, ils parlent de la Golden City, c'est en tout cas. Quand les Darkspawn finissent par corrompre un dragon, ça fait ce qu'ils appellent un Archdemon. C'est un dragon corrompu, c'est genre hyper instoppable. Puis il y a une armée de gobelins pis de shit qui le suit, là, parce que les Darkspawn, en apparence, c'est le même principe que dans Seigneur des Anneaux avec les orques.
C'est-à-dire que c'est des anciens elfes, des anciens humains, des anciens nains, même des cunaris, qui deviennent des espèces de créatures dégueu, là, genre. Puis qui deviennent cannibales, puis. Ils abandonnent toute technologie, puis ils deviennent juste des attardés weird zombies, là, genre. Mais pas zombies genre lents, là, des zombies comme dans 28 jours plus tard, là, genre des zombies fucking rapides puis qui te foncent dessus comme des malades mentaux. Là. Un peu comme dans I Am Legend. Là. Ouais. Puis il y en a plein sous terre en ce moment, à chaque fois. Tout le temps. Puis dans le fond, c'est la job des nains, parce que les nains, leur royaume, c'est souterrain puis des montagnes. Eux autres sont constamment sous terre en train de genre repousser. Les zombies, les darkspawn, pis ces craps là, genre. We'll post soldiers a safe distance from the temple. Our best guess at safe, anyway. Dans le fond, c'est écrit que. Plus que je ramasse d'influence, plus que je peux aller débloquer des trucs ici, en les achetant avec des Inquisition Perks. Plus que je débloque de power puis d'influence, etc., j'avance dans les Inquisition Perks. Puis je peux mettre des points. C'est tous des trucs qui me donnent des boosts. C'est comme celui-là, c'est écrit Training and Spotting, where the blablabla. Ça increase the discovery range. Dans le fond, ça booste mon rond de recherche là, quand je fais quand ça fait des bip 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 genre, puis je détecte des shit autour. Celle-là il l'augmente, mettons. Celle-là il booste mon XP de 50% pour chaque livre que j'étudie ou des trucs que je débloque, genre. C'est tout des boosts. Sauf que moi je veux celui pour augmenter mon inventaire parce que mon sac est toujours plein en permanence. Fait que ça va m'aider. Là, en principe, on devrait aller à Valor Royaume pour aller parler au Gentry. Sinon, je peux aller dans l'autre province qui est Felredden. Ben, je dis province, c'est pas réellement province, là. T'sais, les deux, ici, c'est genre les moitiés du monde connues, genre. Donc, c'est un peu plus comme des continents. C'était pour donner un exemple, Ferelden, tout le premier jeu Dragon Age se passe uniquement dans ça ici. C'est une province. Ramasser de l'or, pas de mauvaise idée. Jusqu'à maintenant, l'Inquisition a dû bénéficier de la Gentry pour l'argent. Ils disent qu'il faut qu'on trouve nos propres sources d'or. Soit en faisant des échanges, du commerce. On peut faire du commerce de notre ville, Haven. La place où est-ce qu'il y a de la neige. Ça, c'est notre ville à nous. Ils disent qu'il y a plein d'opportunités à trouver. Puis ce que je fais dans le fond, c'est que je choisis un de mes trois advisors. Qui sont comme mes conseillers. Tu sais, t'as Colin. Qui est le gars qui gère l'armée. T'as Liliana qui gère les espions puis les assassins. Puis t'as Joséphine qui elle sait tout qu'est-ce qui est politique et noblesse. Puis dépendamment duquel je prends, c'est pour garder en bas à droite le temps. T'sais, c'est écrit requires time. Là c'est écrit 9:36, 9 minutes 36. Si je prends un des autres, ben la mission va prendre plus longtemps à s'exécuter mettons. Puis chaque mission que je prends sur la map. Tout ça. Si je prends, certains conseillers sont mieux adaptés pour certains types de missions. Comme le vu que c'est d'essayer de développer des liens de commerce, ben c'est mieux d'y aller avec politique et nobilité. At your service. Fait que là, j'ai mis Joséphine là-dessus. Ça fait en sorte que je peux pas utiliser Joséphine pour faire d'autres missions tant qu'elle est pour revenu de celle-là. C'est un peu comme des Pokémon.
découvrir Relatives of the Trevelyan. C'est la famille du personnage principal, ça. Ok, dans le fond. Parce que nous autres, le personnage principal vient d'une petite famille noble. Qui sont pas très importantes. Puis qui sont des merdes. Dans le fond, puis là, vu qu'on est devenu l'Hérald de Vandraste, etc., ben là, ils sont tous comme ah non, on est de la famille à Hérald de Vandraste. Puis là, ils essayent tout de se donner de l'importance, dans le fond. Oh mon dieu, puis là ils font genre, ah ben là si vous respectez pas mes shit, je vais vous envoyer l'Inquisition, genre. Eh boy. Puis c'est quelqu'un dans le fond qui vient nous mettre une plainte de ça. Ouais, puis là ils disent qu'il faut gérer la situation pour faire comprendre à cette famille-là que genre, vous allez arrêter de... utiliser les noms de l'Inquisition pour vos propres petites querelles à la con. Fait qu'on va envoyer Liliana et Bonne là-dedans. Elle va gérer ça. Let's see what we have. Elle aime ça, genre menacer des gens puis assassiner du monde. Parce que Liliana, dans le fond, c'est un des personnages du premier jeu. C'était notre assassin archer. Comme Varric est un personnage du deuxième jeu. Qui était lui aussi un espèce d'archer rogue, un peu comme un Han Solo. Ok, on va aller voir Orlais avec le Vatican. That's why c'était recommandé level 4 à 7, puis nous on est level 4. En principe, je devrais probablement aller plus dans Enderlands pour leveler encore un peu. Parce qu'on va se faire ramasser. Surtout qu'on est à Nightmare. On est au la pire des difficultés possibles. Puis j'ai rajouté d'autres trucs par-dessus pour empirer encore plus la difficulté. Fait que si on y va là, on va se faire défoncer. Fait qu'on va aller retourner dans Enderlands. Puis on va essayer d'aller faire plus de quêtes puis d'aider plus de gens dans ce coin-là pour monter de niveau. Et on va amener... qu'est-ce qu'on fera? Varric puis Solus, parce que pour l'instant on n'a rien d'autre. Avec ce bonhomme-là, dans le fond, ça parle de Dieu. Vous autres, vous pouvez mettre sur pause puis lire. Là. Moi, j'aurais probablement pas le temps de lire ça au complet. Là. Et voilà, j'ai pas eu le temps. Dans le fond, avec ce bonhomme-là, j'ai pas été dans la même direction qu'avec l'autre bonhomme qu'on avait avant. L'autre d'avant, j'ai été plus au sud-ouest, puis avec elle, j'ai été au nord-est. Dans le sens où, avec ce bonhomme-là, j'ai fait ce chemin-là. Puis avec l'ancien, j'avais été par ici pour essayer de me rendre jusqu'au mat des chevaux. Fait que dans le fond, ce bonhomme-là a pas de cheval encore. Fait que on devrait probablement essayer d'aller chercher notre cheval. Puis ça va finir par nous donner le level qu'on a besoin pour aller à Val-Royal. Puis parler au curé, puis au pape. En fait, il n'y a pas de pape en ce moment. C'est ça le gros bordel, c'est que le pape, la Justinia, qui était comme un peu Jean-Paul II, genre c'était une pape, mais nice, là, tu sais, qui était fine, puis que t'as pas une grosse conne pleine de. D'arrogance, là. Ok, mon armée est même puissante. Ils ont juste descendu carrément. Ok, fun. Qu'est-ce que tu dis de bon, toi? Nothing to report, sir. Ok, rien de nouveau. Nothing to report, sir. Je vais pas te parler, je voulais sauter par de sa clôture. Nothing to report, sir. Ouais,
Ouais, ce personnage-là est beaucoup plus axé dague, assassinat que sort. Mais je vais ajouter les sorts par après. J'ai juste pris, décidé de faire autre chose avec ça. Watch your step. J'ai aussi une belle dague là, qui s'appelle Black Blade, qui est la lame noire qui me donne. J'avais parlé de guard, là, la barre grise qui se rajoute par-dessus ma barre de vie, mettons. Bon, mais cette dague-là fait en sorte qu'à chaque fois que je frappe avec, ça me rajoute de la barre grise. Donc je vais être un petit peu plus solide que j'étais avec l'autre bonhomme. Ce qui est une des raisons pourquoi j'ai recommencé. Qu'est-ce que je disais avant ça? Ouais, le pape. Dans le fond, il n'y a pas de pape en ce moment. Fait que c'est le gros bordel. Toutes les évêques qui sont à Val-Royau, puis ils sont comme, oh non, ça devrait être moi le prochain curé, parce que si ça, ça, je suis important, regardez-moi, là, genre. Puis pendant ce temps-là, ben nous, on se fait chier. Puis bien évidemment, toutes les évêques disent que nous, on est des enfoirés, puis qu'on a probablement assassiné le pape, parce qu'ils ont peur qu'on prenne le titre de pape. Parce que, tu sais, ils nous prennent déjà pour. L'envoyer de Jésus, genre. Fait que les évêques veulent surtout pas qu'on ait plus d'influence que ce qu'on a déjà. Fait que ils disent que nous, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rend les choses pires, puis on va empirer la breach qu'on voit pas d'ici. On va empirer la breach dans le ciel à force de jouer avec, puis qu'on va faire sortir plus de démons, puis qu'on ait des mangeurs de pain. Commerce restored. I've many goods here. Something like that. Ah, c'est fun, ils ont rendu qu'ils dansent aux tables. Ok, on va s'en aller. Bon, je voulais aller par là-bas, mais je suis parti de là-bas. Dans le fond, on veut descendre par ici, si ma mémoire est bonne. Fait qu'on va suivre le point bleu. Sors jamais sa table! Ah. Prendrais bien fast travel, mais j'ai rien de débloqué. Hey Gilles! Things used to be peaceful around here. Ah ouais, dis-moi ça en plus, Gilles. What is this place? Map making tenderfoots named this the Hinterlands. But right here, there's nowhere. Just some fields, now a bunch of demons. I'm Giles, by the way. I need to be on my way. Yep. Make a watch over you then. Dans le fond, il se plaignait que. Avant, c'était une belle place, pis gna gna gna, pis je suis vieux, pis je suis en le. Dans le fond, c'est comme moi. Mais en sympathique. People are cold. What do you need to keep these refugees warm? Blankets, warm clothes, all of it. These poor sods lost everything when the mages and the Templars went crazy. If we were in a village, I could just pinch a blanket off a clothesline and be fine. Out here, I'm sure the apostates have plenty of supplies, just haven't been able to find them. Well, see you. Dans le fond, il dit que tous les réfugiés qui s'en viennent, dans le fond, survivront pas au froid parce que les nuits ici sont très froides. Fait qu'il faut qu'on trouve des couvertures et des shit. Puis il disait que les apostates, qui sont les mages illégaux, genre. Dans la région. Parce que la région aussi, là, je l'ai déjà expliqué, c'est rempli de mages puis de templiers rebelles, genre. Tu sais, qui, dans le fond, les templiers qui sont ici obéissent pas à l'ordre des templiers qui leur a dit de se replier à telle place, je sais plus trop. Là. Puis les mages ici sont, genre, en fuite. Ils sont en fuite, carrément. Genre, c'est des illégaux, là. Fait que c'est la guerre entre les templiers contre puis les mages. The apostates have gone mad with power. Well, the Templars aren't looking. Fait que ouais, fait que là, il me disait d'essayer d'aller chercher des couvertures de ces trucs. Fait que mon tabarnak. We should move on. We can only restore order by securing an alliance. Je veux bien aller. Pas passer.
invisible. Ah, c'est pas ça que je vais faire, je vais ressusciter quelqu'un. Ah ben, il ressuscite là. Ah, fuck, on va mourir. Je peux-tu me tirer de cette, là? Ok, on plante. Ok, ils se battent entre eux, les trisomiques. Ok, correct. Oui. Ouais, les mages pis les templiers s'entretuent, genre. Pis au travers de ça, ben ils tuent des réfugiés pis ils font ben de la crap. Là. C'est des astuces de mongols, dans le fond. Ok, bon, on est remis sur pied. Ça, tu l'as resté ici. Dead. Vous allez remarquer qu'on fait pas mal plus mal avec ce bonhomme-là qu'avec l'autre. C'est voulu. C'est un peu pour ça que j'ai recommencé parce que on se faisait dégommer intense. À date, je trouve que ma dague qui donne du guard donne pas tant de guard que ça. Hein. Je sais, ça aide, mais c'est loin de me rendre aussi solide que ce que j'aurais. Mais c'est bien que tu fais ça. Genre ça. Là. Je mange un. Quelqu'un m'éternue dessus, puis je meurs. Ben, c'est bien. Vous avez remarqué que lui, sa barre grise est fucking fort. Ça coûte son plus. Shit, il s'est fait défoncer. Je sais même pas c'est qui a fait mal. Hein. Ça fonctionne, je sais pas. Ah, dans le fond, c'est les détonations. Parce que quand un ennemi est congelé, mettons en glaçant, puis que je le fesse avec mon épée de main, épée magique, ça fait une détonation. C'est-à-dire que ça fait une réaction en chaîne. Si je frappe un ennemi pendant qu'il est gelé, ou pendant qu'il est en feu, ou pendant qu'il est paralysé, crowd control, dans le fond. Ça me fait des dégâts bonus. Fait que je fais plus mal quand je fais ça. Fait que on fait des combos. Je trouve que c'est un peu facile par contre pour Nightmare. Un peu décevant. Mais bon, si je passe le jeu à Nightmare, j'ai un trophée Platinum. Hey. Pas mauvais, sauf que mon but c'était de suivre le point bleu. Genre. Ok, on a un truc là. On a des raids de lyrium là. Je sais pas à quel point ça passe par en haut, peut-être. On va essayer ça. On va changer notre point bleu de place. On va le mettre genre. On va se diriger vers le point bleu. Ça fonctionne bien de les pogner par surprise aussi. Oh shit, y'a bien du monde ça. Wow. Y'a crissement trop de monde ça.
gosse quand il se promène demain. Tu croirais dans Witcher. L'image qui se téléporte partout. Ça serait où t'as sauvé? Ça c'est Solus. Oh, c'est pas bon ça. Ouais, déjà. Je bute le mage. C'est lui qui garde le mage. Oh fuck. Ça, c'est des. Ah. Fuck. Yep. Ben oui, t'as tué. Barrière. C'était pas mort hier! Ah fuck, on est mort, tabarnak. Oh well. On va espérer qu'on avait un autosave. Ok, on a autosave. Ok, c'est pas si pire. On est à côté de l'autre gate là, que je sais pas c'est quoi. Finalement, je disais que Nightmare était trop facile. Mais faut dire qu'il y avait crissement du monde. Ok, on a trouvé une grotte. Je vais mettre en invisible pour aller voir. C'est tout. Intéressant de voir ça. Oh, une forteresse des mages païens, des apostates. Êtes-vous tanné de vous laisser emmerder par ces imbéciles aveugles qui ont peur de nous? Venez au Witchwood. Suivez les signes. Nous serons libres de toute oppression, etc. Libres de devenir des dieux. Je sais pas comment on veut. Tu vois qu'ils ont un complexe de grandeur. Puis par là, je veux pas dire qu'ils sont petits. Je veux dire qu'ils se prennent pour de shit. Ah, y'a bien du spindleweed ici. Je sais pas à quoi ça sert, mais je suis pas mal sûr qu'on va avoir besoin de ça pour faire des potions plus tard. Ouais, la musique n'est pas la musique du jeu qu'on entend en ce moment, c'est de la musique de Chrono Cross qui joue dans le background que moi j'ai mis. Parce que la musique du jeu était vraiment. On la remarque pas, là, t'sais, on la voit pas. Là. Ah, ça sera pas le fun ça. Faites-le. Ah oui. Faut que je sais le rift à ce temps ou pas. Ok, ça t'a que non. Il rentre dans le plancher, puis il t'a ressorti sur le fond de la base. Le base est comme un petit peu. Caravane de réfugiés, mais relax. Puis tu te fais pogner par ça.
C'est une cage? What the fuck? Ou c'est un genre de talisman weird? C'est des branches. Il y a quelqu'un qui a fait un talisman avec des branches. Puis ça a fait un rift, by the way. Fait qu'on remarque ici que c'est pas normal. Les rifts sont pas naturels. Il y en a un autre là. C'est comme s'il y avait des gens qui faisaient de la magie noire, en fond, pour essayer de faire apparaître les démons. C'est pas fameux. On a un landmark ici. Puis du red lyrium à détruire là. Le lyrium, je sais pas si je l'ai déjà expliqué. Le lyrium, c'est du cristal qui est généralement bleu. C'est de ça que les Templiers servent pour gagner leur pouvoir, pour annuler les mages. Dans le fond, les Templiers, leur grosse force, c'est qu'eux autres sont... Ils se shootent au lyrium, ils sniffent du lyrium, ils boivent du lyrium, ils mangent du lyrium. Pour se donner de la résistance à la magie, pour pouvoir annuler la magie. Ce qui les rend parfaits pour tuer les mages. Parce que les mages essayent de... Ah, tu vois, ça me prend une clé absolument exacte. Puis, on entend un bruit... maléfique qu'il y a dans la cabane. Puis on voit clairement que c'est un truc de rift, magie noire, bizarre. Moi, c'est ça. Fait que les Templiers sont parfaits pour suppresser les mages. C'est quoi la quête qui est cette? C'est un landmark. Ok. Puis j'ai un ton du cul. Ok, au moins ils sont assez intelligents pour rester là-bas. Mais mets-le ton drapeau, mon homme. Ok, parce que t'es invisible, genre. Sérieux? Ben non, toi. C'est bien con. Houston? Ok, fait que le lyrium dans le fond, c'est pas les cristaux bleus qu'on voit là, ça c'est de la glace à cause des mages. Dans le fond, le lyrium c'est un petit cristal bleu que tu mines dans le fond, dans les grottes. Là, les dwarfs en ramassent beaucoup, puis les templiers en achètent parce que dans le fond ils deviennent accro à ça. Puis s'ils en prennent pas pendant plus que mettons 48 heures, ils meurent de manque de lyrium. Surprise, motherfucker! Un nightmare que c'était à hard, à moins que ce soit le personnage qui est juste beaucoup plus OP. Les rogues sont ceux qui font le plus de dégâts dans ce jeu là, les doubles dagues puis les arcs là. Qu'est-ce que je fais là surtout? J'avoue qu'avant j'avais juste mon épée magique puis un sort qui se faisait pas si mal que ça. Ok, mais je peux-tu prendre la... C'est quoi, c'était une tête de sanglier, genre? Ouais, souvent ça va être des rimes, des poèmes, genre, qui en disent un peu plus long sur l'endroit. On va s'attarder sur lui. C'est dans le fond le cinquième psaume. Les arbres morts à cause des rifts. Comme c'est louche comme roche. C'est un arbre tombé. Ça a l'air d'être un arbre tombé. C'est pas tant clair. Aller là.
Ah, c'est ça, c'est celui de tantôt. Tu vas pas le prendre seulement parce qu'il y avait des ennemis autour. Sixième épisode. Je fais ça vite, si vous voulez les lire, mettez sur pause. Je vais vous montrer ça un peu. Mais de manière générale, c'est des poèmes qui parlent un peu de la région, la chute des hommes, des chutes de même. Là, genre, c'est très biblique, là, genre. C'est quoi ça? Oh! On va-tu trouver nos couvertes? Bon, on va sûrement avoir besoin de potions aussi. L'air de quoi avoir les vies. Ah, super. Y'a c'est-tu eux autres qu'on cherche? Je l'ai dépassé, what? C'est juste dans la zone ici. Ok. En tout cas, on a vu des mages qui se battent avec des templiers ici. Oh shit, là ils sont là. Mon épée magique est buggy et puis me se mettre. I'm gonna kill that mage. Ah, loot. Dérange pas trop. Fate touch. 10% de chance de drop des caltrops quand je me fais frapper. 30% weapon damage, mais c'est excellent pareil. Bon. Bon. J'aime cette musique là. Infiltration. D'eau. Ok. Fuck. Ok, c'est ça les supplies qu'on est supposé voler, mage. C'est parce que je suis dans zone depuis tout à l'heure, non? Tu vois bien que je zigzag, ici. Je comprends pas, là. Je suis posé de ramasser des couvertes pour les réfugiés, non? Ah, c'est toi qui dis ça, nous autres? On n'a pas de super beau château, mon homme. Pas pour l'instant, en tout cas. Ils nous prennent pour genre des blocs, je sais pas quoi. On est loin d'être riches, non? Prendons une potion, toi, je sais pas. Ok. Puis toi, là. Ah, bah, c'est ta manette. Rendre ces potions de overtime, genre. Ça nous soigne mes lentes, là. Oh, excellent, quand même. Mais ça dépend. Dans le fond, dans le jeu-là, les plantes que je ramasse servent tout à fait à des potions quelconques. Puis je peux pas acheter juste des potions, genre, faut absolument que je les fabrique. Fait que j'ai pas le choix de ramasser des fleurs, pis shit, quand j'en vois. Comme l'iron, ça, là, fabriquer des armes. Puis dans ce jeu-là, étonnamment. Dans les jeux, trop quand du temps, fabriquer l'équipement, ça sert pas à grand chose, genre, parce que tu peux acheter de quoi d'aussi bon. Les runes, d'après moi, c'est ça que je cherche depuis tantôt, c'est le repère des mages. Ça ressemble crispant à ça.
dans le fond, dans ce jeu-là, les armes et les armures que tu réussis à fabriquer avec des bons matériaux vont être meilleures que ce que tu peux acheter au magasin. Ok. Accrochez votre truc avec la broche parce que ça sera pas le fun ça. La date. Ah, même pas, t'es sérieux là? J'ai en train d'en revenir sur mes pas. Ok, non. Ça y ressemble en crise, pardon. Ça ressemble à où est-ce que j'étais l'autre fois, au début. C'était une ferme. Ok, puis. Ok, il y a une ligne en mauve qui dit la zone de quête s'arrête ici. Fun. Poche de patate. Ben oui, j'ai trouvé du minerai. Du vitriol. Ok. Stronghold of the Apostate Mage. Les mages fugitifs. They did not want us to dream because... dans le fond, ils voulaient pas qu'on rêve parce qu'ils savaient qu'on verrait la vérité. Du pouvoir. Et de la faiblesse. Ok, il voulait pas qu'on rêve parce qu'il savait qu'on rêverait de la vérité du pouvoir et de la faiblesse. Let's break it and forget it anew. Bâtissons un nouveau monde. Bah, bah, bah. We are chosen ones. We have the power to enact change in this world. On dit tout de suite qu'ils sont stable mentalement, tu sais. Genre, je les laisserais surveiller mon chien. Fuck. Fait que dans le fond, c'est comme des notes de propagande. Genre, les mages essayent de recruter d'autres mages. Puis ils sont comme, venez avec nous, vous allez voir. On se fera plus jamais emmerder par personne, on va faire ce qu'on veut. Un peu comme des ados, genre. Des ados sous-drogués qui sont comme, ouais, fuck le système, ouais. Bon, en même temps, faut dire que les mages sont vraiment gardés comme des prisonniers, là, honnêtement. Tu sais, les Templiers les gardent emprisonnés dans leur tour, ils les laissent pas sortir. Dès que la société apprend que t'es un mage, ben, y a quelqu'un qui appelle la police, t'sais, ils appellent les Templiers, puis les Templiers viennent te chercher. Ça peut être un enfant de 6 ans qui a le malheur d'avoir des dons de magie. Ben, les voisins vont appeler les Templiers, puis ils vont venir le chercher, puis ils vont l'arracher à sa famille, puis ils vont l'amener, puis ils vont l'enfermer dans la tour avec les autres mages. Puis il pourra plus jamais sortir de là, il pourra plus jamais revoir sa famille, il pourra plus jamais. Dans le fond, les autres mages deviennent sa famille. Oh, pas encore un rift. Well, c'est ça qu'on est supposé de faire. On est là, on voit du chien. Merde. Il s'est sauvé dans le plancher. Monsieur l'agent, il s'est sauvé dans le plancher. Stab, stab, stab. Stab, 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 stab. Stab. Ah, shit. Ah, j'suis au courant, j'te vois. I'm falling! Goûter à mon sabre laser. Away, stab, 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 stab. Blam. C'est réglé. Viens sur toi. Ah, t'es sérieux? Y'en a encore? Vas-y, Solus. Est-ce qu'ils ont drop des shit là? Pourquoi j'ai encore un point rouge juste là? Ah ben. Qu'est-ce qu'il y a ben qui guard? Oh shit! Je l'ai-tu fessé de 1700? C'est quand même au pire l'épée magique, honnêtement là. Dans le fond, l'épée magique, de manière qu'elle fonctionne,
c'est que moins que je m'en sers, plus qu'elle fait sport. C'est-à-dire que si je fais mes autres sorts pendant genre 2 minutes, ok, on est en train de dead. Casse. Bam! Ça va pas bien. Ok, j'étais genre. Inclip. Ah, fuck. Ça va pas bien. Ah, mais non! J'espère que ça se voyait pas long. Yep. J'ai un truc là. Puis les Templiers, dans le fond, eux autres, de la manière que ça fonctionne, c'est que n'importe qui peut rejoindre les Templiers. Dans le sens où faut quand même que tu sois un guerrier, là, un peu. Là, genre, faut que t'aies l'entraînement physique, puis tout, puis faut que t'aimes l'éduc. Puis après ça, ben, ils te prennent puis ils te dopent avec plein de lyrium, puis ils t'apprennent comment supprimer l'image, etc. Sauf que les Templiers peuvent aussi... dans la même place. Les Templiers peuvent aussi se faire posséder par les démons. C'est-à-dire que le lyrium bleu qui s'injecte dans les veines constamment les rend entre les deux mondes. Genre, parce qu'il y a le Fade, il y a l'au-delà. Puis dans le fond, à cause du lyrium dans leurs veines, ils sont comme à moitié entre les deux mondes. Fait que les démons peuvent les voir. Puis essayer de s'immiscer dans leur tête, puis prendre le contrôle, genre. Fait qu'ils sont toujours aussi à risque, c'est juste qu'ils sont moins à risque que les mages qui, eux, sont complètement dans l'au-delà, mettons. Stormcast. Parce que dans le fond, c'est ça, quand t'es un mage, rêve. Il rêve de l'au-delà. Dans le fond, il fait un spirit walk, qu'on appelle. Genre, il fait une expérience hors de son corps, là, genre. Son âme va dans l'autre monde. Puis il se promène, puis il voit des trucs. Puis s'il croise un démon, ben, le démon peut faire comme hey, salut. Puis tu sais, il sautera pas tout direct, nécessairement. Ça dépend du type de démon que c'est. Il y en a qui vont essayer de le soudoyer, qui vont essayer de faire des deals. Qui vont essayer de... Parce que un démon ne peut pas prendre le contrôle de ton corps puis te transformer en abomination si tu ne l'as pas accepté. Puis ça, c'est très important. Pour être possédé par un démon, il faut que tu dises oui. Le hic, c'est que les démons dans l'au-delà vont se prendre de plusieurs manières. Tu vas avoir les démons de la peur. Que eux vont te torturer, vont te faire voir des visions horribles. Jusqu'à temps que tu les supplies de te posséder puis de dire oui puis que ce soit fini. Parce qu'ils te promettent que si tu dis oui, ils vont arrêter. Après ça, t'as les démons de la rage que eux vont juste te foncer dessus puis ils vont te tabasser à l'infini. Parce que dans l'au-delà, tu meurs pas vraiment. Ils vont juste te tabasser, tu vas revenir, ils vont te retabasser. Dans le fond, ils vont te camper intense. Jusqu'à temps que tu les supplies encore une fois d'accepter d'être possédé. Ça va les démons de la séduction. Les démons de l'envie. Que eux ils vont te faire accroire ci, ils vont te faire accroire ça, ils vont te dire oui, tu vas devenir surpuissant. Puis c'est vrai, tu vas devenir beaucoup plus fort que t'étais, mais ce sera pas toi qui va être en contrôle. Fait que là, tu sais, eux autres, ça c'est leur game à eux. Tu vois les démons. Quelle autre sorte d'autres démons qu'il y a aussi. Je me souviens plus, ça me vient pas l'idée. Et, mais c'est toujours beau. Tout ça pour dire que les mages sont très à risque pendant qu'ils dorment. Toujours. C'est pour ça que les Templiers les surveillent pendant qu'ils dorment. Puis s'ils ont le malheur de devenir une abomination, les Templiers les tuent direct, schlack, avant qu'ils aient le temps de se transformer. C'est très intense comme endroit. Puis vous remarquerez ici qu'on a une brèche, puis que fouille-moi pourquoi est buggé. Les démons sont pas là. Ils sont partis en vacances. Fait qu'on va dire haha, puis on va passer. On se croirait sur l'heure du dîner, là, c'est un chantier de construction, pas un institut. Fait qu'on va y aller. On va passer. Ça mène où ça? Là, ça me ramène au début, t'es sérieux? On va aller faire ce quête là-bas.
Mon plan, c'était d'aller chercher les chevaux, là, mais... Oh, la marque, elle s'active. Are we in danger, Will Robinson? Il y a du monde, là. Ils ont pas encore vu. Fait qu'on va en profiter pour aller... voir que je ferais pas splash, splash, splash dans l'eau. It's up, right? Slap, yeah! Dead. Next. The fighting between the mages and the Templars has cost too many innocent lives. Ben, en effet. C'est pas mal pour ça qu'on est là, cher. C'est vrai, on est supposé tuer des rames pour la viande, puis la peau, pour les réfugiés. Mais j'ai rien qui tire vraiment à distance. Viens ici, petit mouton, truc, machin. Désolé. Ah, le saut. Merci de ton offrande. Tu vas nourrir bien des gens, mon homme. Des trucs cuits ici. C'est le fun qu'on pourrait juste tuer les autres puis les faire cuire, il me semble que... Let's look around. Moi, je ferais bien plus ça. Mon attaque surprise. Ouais. Wow, c'est tellement cheaté, la lame magique. Là. Genre, je les backstab, après ça, je fais la lame magique, puis genre, leur vie est juste pétée dessus. Je devrais peut-être arrêter d'utiliser ce sort-là. Parce que... ridiculement trop fort. Là. Je pourrais mettre des sorts de magie à place. Je pensais que ça, je finis par faire parce que. OP as fuck. A Templar, I believe. Ah, c'est les deux frères, ça. Je sais pas si vous vous souvenez, la manière on avait vu une note qui disait viens à mon frère, parce que c'est un frère templier et un frère mage. Puis le frère templier laissait une note au frère mage à leur maison d'enfance qui est ici. Puis il disait je sais que t'es en fuite, puis viens-t'en chez nous, puis on va régler ça. Fait que ça s'est pas bien passé, je pense, les amis. Ça va. C'est ton frère. Espèce de mongol. On a trouvé une lettre sur un Templier mort. Templier Coran. À la lumière des hostilités courantes, je crois que notre arrangement n'est plus satisfaisant. You are unable to reach me with payment, and I have no means of delivering the merchandise to you. I hope that when this unfortunate situation is resolved. Dans le fond, ce templier-là faisait du marché noir, genre. Puis là, ben, ça marche plus à cause qu'il y a du monde mondial partout. Oh, il est dead. Mon épée a fait juste 200, c'est parce que je l'ai trop utilisé. Dans le fond, moins que je l'utilise, plus qu'elle va fesser fort la prochaine fois que je l'utilise, plus que je l'utilise, moins qu'elle fesse fort à chaque coup. Je sais pas si c'est moi qui l'arrange, même j'ai mis une rune dessus. Quand tu mets les points, là. Je l'ai spécialisé comme ça. C'est extrêmement OP si t'as d'autres trucs à faire puis que tu t'en sers juste une fois de temps en temps. Comme ce que je fais là. Oh, y a quelque chose de spécial, cette. La manette à shake. Ça doit être dans la maison. Ouais, ils sont là. Bing, 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 bing. On va rentrer. C'est leur maison d'enfance. Sur la table, sûrement. C'était quoi? Une bouteille de vin. Ben, écoute. Fait qu'on peut collectionner les bouteilles de vin.
cette mer. Ça a l'air de valoir cher. Mais c'est trop lourd pour que je transporte ça. Ok, fait que... Wow. Ok. Et où la quête avec les deux frères? Les frères Scott. Je pense qu'on l'a résolu en tuant le frère pas fin. Ça a l'air. Yep. Faut que je close deux rifts. Que j'en ai pas closé un tantôt. Ça me semble qu'on en a closé un ici dans ce coin-là tout à l'heure. Ou qu'on est mort puis qu'on l'a perdu. Hey. Oh, est-ce que je vois un lapin? Oh oh oh. Bouge pas. Ok. Au moins il est mort à un coup. Pauvre petite bête. Sorry bro. Ah le rift, c'est le rift de tantôt où les gars sont partis dîner. Ils seront pas plus là, mais que ça y est revenu. Ah ben ils sont revenus, tu connais. What's up guys? Ok, non, il est carrément juste buggy as fuck. J'ai entendu ce que tu veux. Je pourrais pas juste comme le. J'entends des bruits parlants. Ok, c'est fucky en tabarnak. Je peux-tu genre remonter sur les échelles, quelque chose? Bon, ben fuck ce riff là. On va retourner voir nos amis dans le wood. L'apostate wood. Le cousin du morning wood. Arrêtez de me faire croire qu'elle est vite. Oh 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 oh, point rouge, point rouge, point rouge. C'est un templier. Il vient de battre. Ah non, ok. Vous êtes super. Bon, fuck it, on s'en va. J'aime comment c'est que quand t'approches d'un rift, t'entends genre des voix comme de fantômes, pis c'est comme ah, investis dans ton REER. Ah, logiquement, ça devrait être ça, là. Il y a les runes, pis tout. C'est supposé être leur repère. Ben oui, check, Witchwood. Ouais, mais Witchwood. Ben Witchwood. Ouais, mais Witchwood. Ben Witchwood. Ouais, mais Witchwood. Ben Witchwood. Ouais, t'as pris un petit. Ok, je pense que là, on est à la bonne place. Soit là-dedans, soit là. Ça, c'est moins bon. On est allé tantôt. Point d'exclamation, point d'interrogation. Tigidou, lay lay! Ça, vous allez m'attendre, cette. Puis moi, je vais aller cueillir des fleurs. Dans le Witchwood. Ah, c'est même pas une grotte, c'est juste un putain de tunnel qui mène nulle part, tout bien ça. Redcliffe Road. Which is not where I want to go. On va revenir. Genre, je vous avais dit de m'attendre là-bas. Quand tu fais sneak, d'habitude, tu es supposé d'attendre. Là. J'imagine que si tu t'éloignes trop, il se téléporte automatiquement sur toi. Ce qui tue complètement le principe de la stealth. Faudrait genre que j'aille pas d'équipe. Je crois que nous sommes nearing the apostates. Be on your guard. Quand même. Puis mon stealth est sur. Wait. Fait qu'on va faire autre chose. On va en buter un direct avec Varric. Bam! On n'avait pas vu les gars. C'est bien nul. On l'a tiré tellement loin que les autres sont comme what the fuck pis ils nous voient pas, genre. C'est comme salut! Oh well. Tu gardes de refaire ça, madame?
On va les sniper comme une pute. Ah, ils nous ont vu cette fois-là. Ah, j'ai pogné le mur. J'ai pogné le mur. Yeah. Consume a potion, j'aimerais bien que j'en ai pas. Freedom! C'est pas dans qui avait de la barrière pis du guard. Bonne idée. On va essayer de faire ça. C'est-tu que j'ai des one shot avec l'épée là? C'est peut-être mort pis. Oh shit! Il s'est fait one shot, ouais. Te dérange pas. Lui il fait 1428, c'est bien. Immune? Ben, t'es-tu immune à ça? C'est quand même. Ah, ok, fuck it. Tirer de loin. C'est ce varé qui fait mal en tabac. Check ça, là! Il s'est juste buté de même, ben relax. What up, guys? On va me ressusciter, moi. Ah, oh, pas chier. C'est pas le temps de douter, c'est le temps de ressusciter la tank. Parce qu'on a pas de tank. Non, il est grand. Prends une potion. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, finalement. Ouais, faut vraiment que j'arrête d'utiliser ça, là, c'est ridicule. Genre PS Book, c'est overpowered pour les non-initiés. OP veut dire overpowered. Internet 101. Ah fuck. Yep, we gonna game over soon. Pis, ça c'est l'entrée. On vient de trouver l'entrée pis on a plus de potion, on a plus rien pis on full de points rouges. Yeah! Let's save! On va voir jusqu'où on peut se rendre sans potion. Ouh, un coffre. Pis des restes humains. Un hache. What up, dog? On a trouvé un jouet. Ben cool. Je prends une pause. Vous pouvez skipper un peu plus loin.
Bon, désolé pour le délai. Eh non, c'est pas toi, je parle à notre flaf. La fille est pas ça. Ok, la coin des Templiers. Pour détruire une barrière, faut l'élément magique opposé. Ça, c'est une barrière de feu, puis ça me prend donc de la glace. Solus, ça tombe bien, la glace, c'est la fois qu'on a. Puis l'électricité. Très cru. C'est un cheval. Ah ouais! J'attends après mon stealth. Bon. On va aller voir ça de plus près. Ok, non, c'est pas un chien, c'est juste du monde qui était placé weird. Puis il y a pas mal de peuple. On va commencer partout. Down the stairs. On va perdre, puis on s'en va parce qu'on va dead. On va dead. Cover, 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 cover. Il y a des mines partout, come on. Ok, nouvelle approche. Parce que le problème, c'est que mes intelligences artificielles sont pas très brillantes. Est-ce qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça marchera pas. Je l'ai dit one shot. Non, reste ici. Reste ici! Reste ici! Ses amis sont-ils genre restés dans un grotte par rien faire? C'est comme ça, on a besoin d'être aidé. Mon âme, je pense que t'es en train de dead, toi là. Pas mal sûr. Ah, oh, c'est vrai, y'a pas les potions over time. Mais... Varric, bro, c'est que tu peux attaquer. Ouch.
de la vie, lui. Ah, c'est parce qu'il est en... C'était comme en fade. Oh, il est dead. Qu'est-ce qu'il veut pas mourir? Fucking kill. The King's Road should be safer, at least for the time being. We still have those Templars to worry about, though. Ok, fait qu'on a pété les mages. Donc on m'en reste un peu les armes. Mais... Ouf, une masse. C'est un... Non, c'est un bon temps. Cold damage, bon, ça va être bon pour Solus. Solus, c'est cool parce qu'il est un... C'est un érudit, dans le sens où... il sait beaucoup de choses, il est très... très au courant de plein d'affaires, puis il est très... un peu... pas pacifiste dans son approche, mais très posé. Sauf que c'est pas mon mage préféré, j'aime bien Vivienne. J'aime bien Dorian aussi, Dorian a une attitude... un petit peu trop arrogant à ça, mais il est funny. L'Onyx. Ça va servir pour faire les armes et les armures. Détroussons les morts, yeah! La la la! Un beau petit setup. Sauf que... Ça tente, ça fait aucun sens. Pourquoi t'as un truc pour ramasser l'eau de pluie dans une grotte? Parce que, ok, peut-être que moi. Moi. Ok. Parce que ça sert à ramasser l'eau de pluie, ça. Attends, ça ressortait-tu l'autre part? Non, c'était un cul-de-sac. Même je sais que vous êtes dead les boys là. On est tous dead, on a toute potion de rien. Bon, ça passe pas. Bon, c'est drôle parce qu'on dirait que ça devrait passer. Clairement des trucs là. Ok, il y a clairement un passage secret là. On va aller fouiller ça sur internet tantôt. Je ferai pas ça là parce que sinon. Quoique. Ok, ben vous skipperez, moi je vais mettre ce pas, je vais aller sur internet.